Des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Une fois élevé de terre, j'attirerai tout homme à moi. Lors d'une naissance, frères et sœurs, par où la tête passe, le corps est appelé à passer. Aujourd'hui, les portes du ciel s'ouvrent pour accueillir le Christ, notre Seigneur. Le ciel, le royaume, notre destinée, lieu où le corps qu'est l'Église est appelé à entrer un jour. Faisons mémoire, frères et sœurs, au seuil de cette Eucharistie, de notre baptême, par lequel nous sommes entrés dans la famille des enfants de Dieu. Demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés, en souvenir de notre baptême, que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, au sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. J'ai vu jaillir le
Ô Christ, ami des hommes, toi qui ne méprises pas le pécheur et accorde à ceux qui le demandent le pardon et la paix, rends-nous dignes, nous tes humbles et indignes serviteurs, de nous trouver encore en ce jour devant la sainteté de ton autel et d'offrir à ton Père l'adoration et la louange dans la gloire de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : cette promesse, vous l'avez entendu de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Jésus leur répondit : il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous.
Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Mentre essi lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé les captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « Il est monté » Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren, durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Parole du Seigneur. Thank you.
Le Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité dit aux onze apôtres, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici qu'en ce jour, le Christ nous est comme enlevé. Tu vois ce vide au-dessus de nos têtes, disait Jean-Paul Sartre. C'est Dieu. Le silence, c'est Dieu. L'absence, c'est Dieu. Si certains émettent l'idée d'une absence de Dieu, l'Église, elle, en ce jour, nous confie son espérance. Certes, le Seigneur s'élève à travers les nuées, nous le voyons pénétrer dans le ciel et entrer dans sa gloire. Oui, la voix du Verbe s'éteint à nos oreilles. L'image du Dieu invisible disparaît à notre regard. Mais l'Église nous entraîne dans un élan d'espérance. Entraîne-moi sur tes pas et courons. Ces paroles de la bien-aimée du Cantique, ce sont bien les paroles de l'Église en ce jour. Le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'avance vers le ciel. Et l'Église, tout imprégnée des parfums récents de la résurrection, le poursuit du regard. Entraîne-nous sur tes pas, courons, chante l'Église. Toi, le nouvel Élie, toi qui t'élèves au plus haut des cieux, entraîne-nous sur tes pas et donne-nous cette part de ton esprit. Oui, Seigneur, fais-nous découvrir ton royaume. Fais-nous découvrir l'espérance de ta royauté dans le monde. Alors, Christ, qui es-tu? Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? C'est lui, le Seigneur, le Verbe de vie. Un Verbe qui parle et qui se tait. À l'ascension, le Verbe se tait pour parler à ton cœur, afin que tu deviennes écoute et parole. Le Verbe se tait pour que tu conjugues ta vie avec la douceur de son amour pour toi et que ta vie le traduise en acte. L'Église naissante a cherché son bien-aimé. Elle l'a cherché sur les hauteurs de Jérusalem et ne l'a pas trouvé. Je l'ai appelé, dit-elle, par la voix de la bien-aimée du Cantique, mais il n'a pas répondu. Pendant 40 jours, il leur était apparu et il leur avait parlé du royaume de Dieu. Mais en ce jour, le Verbe s'élève et une nuée vient le soustraire à leur regard. Dès lors, le Verbe s'est tu. Pour toi aussi, en ce jour, le Verbe se tait pour que tu entres dans son silence. Le Verbe se tait pour que tu l'écoutes dans le silence de ton cœur. Le Verbe se tait pour que tu l'accueilles dans ce royaume intérieur.
car il est roi, notre sauveur, et en ce jour il vient régner en toi. Il vient demeurer chez toi pour aimer par toi. Dans cet espace intérieur, le silence donne l'essence à ta liberté, et ta vie peu à peu se conforme à sa parole. C'est la demeure de l'Esprit qui, en toi, va donner chair au Verbe. Alors, quand le Verbe se tait et que tu l'accueilles en vérité, c'est ta vie qui peu à peu se conjugue à la sienne pour porter son fruit. Alors, comme le psalmiste, tu t'exclames « Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt, je veux chanter, je veux jouer pour toi. » Dès lors, le Verbe se tait pour que ta vie le chante et le traduise en acte. Le Verbe attend des traducteurs de son amour, le Verbe attend des témoins véridiques de sa parole. À la suite des apôtres, le Verbe envoie des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, pour traduire l'Évangile en acte. Alors, pour toi, aujourd'hui, le Verbe se tait pour que tu l'entendes et que tu l'écoutes dans ce qui paraîtra parfois inaudible ou absurde dans le monde. Dans cette clameur, il se taira afin que tu perçoives son cri silencieux. Il se taira pour te faire entendre son cri dans le cri des malheureux. C'est le cri des angoisses que le bruit de ce monde ne peut étouffer, mais que le silence de ton cœur pourra écouter. C'est le cri de la souffrance que nul homme ne peut soulager, mais que l'Esprit consolateur par toi viendra apaiser. C'est le cri des assoiffés de vie que nulle consommation ne peut satisfaire, mais que la parole viendra à travers toi étrancher. Plus nous recevons dans le silence de la prière, plus nous donnerons dans la vie active, rappelait souvent Mère Teresa à ses sœurs. Si le Verbe se tait, c'est qu'il parle à ton cœur pour que tu lui prêtes ta voix. C'est qu'il éveille en toi l'aurore d'un monde nouveau et qu'ainsi tu annonces sa lumière et sa vérité. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, l'image du Dieu invisible, une image qui apparaît et qui se cache. À l'ascension, l'image du Dieu invisible disparaît à ton regard humain. Son visage s'efface pour que tu l'imprimes dans la mémoire de ton cœur et que tu le révèles au monde dans un regard de contemplation. L'Église naissante a cherché son bien-aimé. Elle l'a cherché sur les hauteurs de Jérusalem et ne l'a pas trouvé. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu, dit-elle par la voix de la bien-aimée. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Les disciples, rassemblés aux abords de Béthanie, guettaient le ciel, espérant revoir le Fils bien-aimé. Mais ils n'auront d'autre vision que celle des anges qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?» L'image du Dieu invisible disparaît à ton regard, comme pour réveiller en toi la mémoire de ses merveilles, et pour aviver ton regard de foi. Pour les disciples, comme pour nous aujourd'hui, il s'agit de consentir à l'invisible. Par la foi, il s'agit de passer du visible à l'invisible. Il s'agit de voir avec le cœur pour discerner quelle espérance nous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints. Comme le silence, le lieu de l'invisible est un espace pour notre liberté. C'est le lieu d'un consentement, d'un choix libre. C'est un espace de contemplation où notre cœur fait mémoire du Christ, des mystères de sa vie terrestre, ainsi que de tous ses bienfaits qu'il prodigue dans le monde invisiblement. C'est un lieu d'espérance où nous apprenons à regarder au-delà des apparences, voir l'invisible. C'est convertir son regard à l'adoration et à la vénération. C'est vivre de la grâce de l'adoration eucharistique. C'est entrer plus avant dans le sens profond des icônes et de tous les symboles de la liturgie. Mais l'image du Dieu invisible disparaît également
pour que tu revêtes le Christ, pour que tu révèles le Christ vivant à tes frères. Désormais, il ne s'agit plus de scruter le ciel. Il s'agit de vivre ici-bas de cette espérance donnée par le Christ. Il s'agit de vivre en fils du Père, sur la terre comme au ciel. C'est bien l'appel que reçoivent les apôtres en ce jour. Galiléens, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel ? Ces Galiléens, ce sont des hommes de la terre dont le regard est fixé sur le souvenir de Jésus de Nazareth. Des hommes qui vivent le présent avec la nostalgie du passé. Des hommes dont le regard est comme sclérosé par les soucis et les souvenirs de ce monde. Alors, en ce jour, avec les apôtres, nous sommes invités à vivre, le présent dans l'espérance du ciel. Recherchez les réalités d'en haut, nous dit saint Paul. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Désormais, tout est icône de Dieu, tout est sacré, tout devient liturgie, tout annonce le royaume qui est déjà là, mais qui doit encore se manifester. Au milieu d'un monde submergé d'images, le Christ attend donc des révélateurs de sa présence, et il envoie des témoins qui imprimeront dans le monde la marque de son amour à travers le sceau de l'Esprit-Saint que le Père a promis. Il espère en nous des hommes d'action et de contemplation, capables de foi et d'espérance pour le monde et pour l'humanité, au cœur même des plus grandes défigurations. Commençons chaque jour en essayant de voir Jésus à travers le pain, disait souvent Mère Teresa. Et durant la journée, continuons à le voir sous les apparences des corps épuisés de nos pauvres. Qui est ce roi de gloire? Qui est celui que nous ne pouvons ni voir ni entendre? Ne serait-ce pas le premier-né d'entre les morts? Ne serait-ce pas la tête d'un corps en train de naître? Frères et sœurs, l'ascension, c'est le mystère d'une naissance. C'est le mystère de notre naissance au ciel qui a déjà commencé et qui se réalise chaque jour. Ce que nous célébrons n'est pas une naissance selon la chair, mais c'est un engendrement progressif à une vie nouvelle dans le Christ. Car il faut en effet que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Mais pour naître, nous l'avons bien compris, il nous faut accepter une séparation. Il nous faut accueillir un nouveau rapport à l'incarnation. C'est une autre manière d'entendre et de voir notre monde. C'est une autre manière d'écouter le Verbe et de voir le Christ vivant par son Église. Au cœur du silence et de l'invisible, voici que le Christ nous appelle à la vie. Alors, dans ce mystère, l'Église peut bien nous dire, l'Église peut bien dire à son Seigneur, « Entraîne-moi sur tes pas et courons. » Oui, Seigneur, entraîne-nous sur tes pas, mais ne divaguons pas dans l'imaginaire d'un rêve futur ou la nostalgie du passé. Courons plutôt dans la réalité du monde présent, là où Dieu nous a placés, afin d'annoncer et de révéler sa présence en nos cœurs. Courons plutôt avec foi et espérance auprès de nos frères pour leur manifester en acte l'amour que le Christ nous a prodigué. Ainsi, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé.
avec toute l'Église en fait, qui célèbre l'entrée dans la gloire du Fils, chantons notre foi. Témoins au cœur de nos villes. Fils de Dieu.
Tu as prié pour qu'elle demeure éternellement. Viens au secours des peuples éprouvés par la violence, et que ton règne vienne. Fils de Dieu, prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit-Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. » Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe. Nous célébrons le mystère de la foi.
en mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Amen. Supplions avec l'Esprit pour que la plénitude de cette Eucharistie se manifeste dans la communion de l'Église. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Amen. Faisant mémoire de ce corps qui est l'Église, répandu à travers tout l'univers, Seigneur, souviens-toi. Qu'elle grandisse dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, Seigneur, souviens-toi. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, pour qu'ils entrent dans ta lumière auprès de toi, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, de nous tous enfin qui implorons ta bonté, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Permets, Seigneur, qu'avec la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Adorons le corps très saint de Christ.
corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Thank you.
sœurs, chantons notre action de grâce. Chantez, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Action de grâce, prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, vous trouverez en bas de vos feuilles plusieurs annonces, notamment les horaires des offices pour la fête de la Pentecôte. Notez plus spécialement le samedi 23 mai à 21h, les vigiles de la solennité de la fête suivie de la messe dans la nuit. Pour entrer dans cette fête de la Pentecôte, une retraite en ligne vous est proposée par Internet. Du 17 au 24 mai, au programme Méditation, Lectio Divina, témoignages, podcasts et vidéos, le tout sur Internet, avec pour thème un souffle sur la ville vers la Pentecôte avec Marie. Pour vous inscrire, vous pouvez nous retrouver sur le site internet jerusalem.cef.fr qui vous redirigera vers le site de la retraite, ou également toutes les informations sur ce dépliant bleu aux portes de l'église. Pour les fiancés et les couples et les familles avec des jeunes enfants, notez un week-end famille à Magdala les 30 et 31 mai, avec pour thème la filiation, des enseignements donnés par sœur Constance. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet ou sur ce feuillet disponible aux portes de l'église. Et enfin, une semaine plus tard, pour ceux qui le souhaitent, les fraternités évangéliques propose de vous accompagner pour un pèlerinage vers le Mont Saint-Michel les 6 et 7 juin 2015. Au programme Traversée de la baie, liturgie avec nos fraternités sur le Mont, tous les renseignements sur ce dépliant disponibles aux portes de l'église. Belle fête de l'Ascension, accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen.
savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous.